Enzo, surtout surveille bien ton petit frère. Ne t'inquiète pas maman, on va surtout s'amuser. On va faire plein de jeux dans l'octocapsule et on va aussi... Oui, oui Pinto, mais on ne va pas jouer tout de suite. Le capitaine et son équipe sont en mission et ils ont besoin de moi. Je dois aller soigner un poisson qui s'est blessé. Pinto, tu me promets d'obéir à ton grand frère. Et toi, Pesso, bonne chance pour ta mission. Je vous aime. On t'aime aussi, maman. Au revoir, maman. Waouh, une mission. C'est comme la fois où les bébés escargots de mer avaient des problèmes et que t'as réussi à les sauver. Tu te rappelles? Toi, le grand héros. Oh, n'exagère pas, je suis pas un héros. Dis-moi comment tu fais pour soigner les animaux qui sont grands et qui font très peur. Il faut être drôlement courageux pour faire ça. Ça fait partie de mon travail. Je peux venir avec toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi pas après tout, mais tu restes bien tranquille. Promis. Oh, waouh, merci Pesso. Capitaine, je viens de partir et j'arrive avec mon petit frère Pinto. Oh, très très bien, je vous attends, à tout de suite. Pinto, retire ton écharpe et mets ton casque. Content de te revoir, Pinto. Ah ah, tu accompagnes ton grand frère pour l'aider. Où est le malade? Par ici. Oh, j'ai parié que c'est un barracuda, ou un poisson diable, ou peut-être même une pieuvre géante. Oh, c'est lui le malade? Hein? Dis ah. Ça doit être très très grave, peux-tu parler? En fait, j'ai un bleu sur ma nageoire. Pinto, tu veux bien me passer mon... Ton stéthoscope, un thermomètre, un tire-langue, une attelle. Juste un rouleau de bandage. Voilà, ça devrait aller. Cassie, tu veux bien faire une photo? Comme ça, je pourrais montrer à mes copains que mon frère est un héros. Si tu veux. Tu dois te reposer. Veux-tu venir avec nous dans l'octocapsule? Tu y seras tranquille. Volontiers, je veux bien vous suivre. Beau travail, Pesso. Et toi aussi, Pinto. Notre mission n'est pas encore terminée. On se retrouve à l'octocapsule. Waouh! Une baudroie. De mer ou une anguille? Capitaine, Kwasi, venez voir! Vous savez peut-être ce que c'est! Hé! Hey, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'était énorme! Ah! Une queue comme celle-là ne peut appartenir qu'à un monstre des profondeurs, Moussaillon! Un monstre très redouté, connu sous le nom de Nakawak! Nakakwa? Quoi? Le Nakawak. Cet animal est aussi gros que 3 baleines. Et chacune de ses dents est de la taille d'un dauphin. Il est très fort et attaque les bateaux juste pour s'amuser. Oh, Kwasi, tu ne vas pas me dire que tu crois à ces bêtises quand même. Des bêtises? Je te parie qu'il va revenir pour nous attaquer par surprise. Et si c'est le cas, il me trouvera sur son chemin. Eh bien, voilà une énigme que nous allons devoir résoudre. Barnacle, le professeur, êtes-vous là? Oui, capitaine, que puis-je faire pour vous? Cassie vient de photographier la queue d'un mystérieux animal, mais aucun de nous n'a été en mesure de l'identifier. C'est le Nakawak, je vous dis le Nakawak. Elle vous envoie immédiatement la photo. Oh, mystérieux en effet. Je vais consulter mes livres et voir ce que je peux trouver. Merci, professeur. Barnacle terminé. Bonjour, professeur. Ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec nous? Oh, j'aimerais bien, mais là, je suis trop occupé à faire des recherches sur un mystérieux monstre. Un monstre? Où ça? En fait, Kwasi croit que c'est un monstre, mais c'est sûrement une créature qui n'a pas encore été répertoriée. Vous avez besoin d'aide? Avec plaisir. Prends ce livre et identifie toutes les créatures des profondeurs qui sont pourvues d'une longue queue. Moi, je vais chercher dans celui-ci. Et moi, je vais guetter s'il y a des monstres. Regardez, là-bas! Kwasi, ce poisson est une baudroie. Nous devons descendre plus profond.
Ah, droit dans le repère du Nakawak. Professeur, avez-vous trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je vous souhaite bonne image, capitaine. Professeur? Capitaine? Oh, la radio n'émet plus à cette profondeur. Oh. Oh oh. Oh. Mmh. Oh. Pardon, mais le monstre que vous recherchez, il est long? Oui, extrêmement long. Et est-ce qu'il a une peau brillante et argentée? Je crois bien que oui. Est-ce qu'il a une crête rouge sur la tête? Une crête rouge? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a une crête rouge? Oh! Déclenchez l'octo-alerte! Déclenchez l'octo-alerte! Octonaute, tout le monde à son poste! Octonaute, qui a déclenché l'octo-alerte? Que se passe-t-il? Je suis désolé, capitaine. J'ai vu le monstre! Il était juste devant le hublot du professeur. Non! Il faut vite retourner à l'octocapsule. Allons-y! Longue queue, crête rouge, peau argentée... Oh, mais bien sûr! Maintenant, je sais ce que c'est. Ce poisson est un régalec. Un régalec? Je n'ai jamais entendu parler d'un poisson appelé régalec. C'est parce qu'il est très rare. Tu vois, Pinto, je t'avais bien dit que ce n'était pas un monstre. Pinto? Où est-il allé? Oh non, je sais où il veut aller. Nous devons le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Pinto, reviens! Pinto, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je veux attraper ce monstre. Ce n'est pas un monstre, c'est un régalec. Et... Oh! Wow! C'est le poisson le plus long que j'ai jamais vu. J'ai l'impression qu'il est très triste. Tu entends? Il pleure. Je vais voir. Bonjour, monsieur le régalec. Est-ce que ça va? Non, non, ça ne va pas du tout. Pourquoi tu nous as suivis jusqu'à l'octocapsule? Ah, d'habitude, je ne le fais pas. Je reste caché. Mais quand je t'ai vu soigner l'autre poisson, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider, moi aussi. Bien sûr que je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as? Ah, ma gorge, elle me fait très mal. Et comme je suis le poisson le plus long de l'océan, j'ai une gorge très longue. D'accord, je vais regarder. Fais... Ah... Ma... Ouvre plus grand. Oh... Oh! Alerte! C'est le Nakawak! Et il attaque Pesso! Nous devons le sortir de là! Miaou! Ta gorge est toute rouge! Tu as attrapé un petit rhume! Tu devrais... Ne t'inquiète pas, Pesso! Je ne laisserai pas le Nakawak faire du mal à mon petit frère! Oh, doucement, Kwasi! Fausse alerte, ce n'est pas un Nakawak. Hein? C'est un régalec, le poisson le plus long de l'océan. Quoi? Tu n'essayais pas de manger Pesso alors? Ah, bien sûr que non, je ne suis pas un prédateur. De toute façon, je n'ai pas de dents. Regarde. Ah! Je le savais. On doit trouver un moyen pour le faire rentrer dans l'infirmerie. Incroyable! Le régalec peut dresser son corps à la verticale quand il nage. Tout se passe bien ici. Comment ça va pour vous là-haut, Pesso? Tout va bien, Twig. Ah, je me sens beaucoup mieux. Il est incroyablement long. Je comprends pourquoi tu l'as pris pour un monstre, Kwasi. Super! J'ai toujours dit que mon frère était un héros. Il aide toutes les créatures qui sont malades ou blessées, de la plus petite à la plus longue. Regarde, Pinto, j'ai pris cette photo où vous êtes tous les trois. Tu pourras la montrer à tes copains?